Ouais, c'est des matchs animés, il y a eu du spectacle. Après, on aurait aimé se faciliter un peu plus la tâche. Je pense qu'on a eu une très bonne réaction en deuxième mi-temps, mais c'est un peu inespéré. Je pense que les entames de match en ce moment sont assez bof, donc il va falloir qu'on travaille sur ça pour s'améliorer. Techniquement, on se précipite un peu trop. Après, le coach a rectifié deux, trois choses. On a essayé d'appliquer ça en seconde. On se met encore une balle dans le pied avec ce pénalty sifflé. Ça devient une habitude contre Lyon. Je pense que ça fait un moment qu'on nous siffle des pénaltys, bon, même si je pense qu'il est indiscutable. Voilà, après, on a eu une réaction, on a été des hommes, donc je suis fier de mon équipe ce soir. Je pense, après, si tu vois le match, nous pouvons être contents avec le résultat. Les supporters sont toujours là, surtout contre les grandes équipes. Et ça nous aidait, surtout dans le match, dans le moment difficile dans le match. Et dommage, on ne peut pas donner une victoire aujourd'hui. Ben, Titi centre, Adri met une tête, je ne sais pas si elle est cadrée. Ensuite, tu tournes la tête et elle me tape sur la tête. Et ensuite, ça finit dans les petits filets. Et on revient de 1, ensuite on reprend un peu de confiance. Et ensuite, le deuxième but arrive très rapidement. Et on voit qu'avec de la confiance, on peut faire de belles choses. C'est ce qui nous manquait peut-être un peu sur les derniers matchs et j'espère qu'on va la récupérer pour un bon moment. À Strasbourg, je crois qu'à domicile, on arrive à se surpasser contre les gros et j'espère que ça va continuer, mais j'espère aussi que contre les moins gros, on va dire, qu'on va prendre les points parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné et ça serait bien de gagner à Nîmes.